Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Autriche, dans les montagnes, dans les forêts qui entourent Spielberg. Il y a beaucoup d'eau et nous sommes ici ensemble pour vivre donc le Grand Prix d'Autriche sur le circuit de la Ring, rebaptisé à de nombreuses reprises, l'Österreichring. Ensuite ça a été le Red Bull Ring. Il y a beaucoup d'animation dans les paddocks depuis quelques minutes, puisque eh bien, la pluie est arrivée il y a de cela quelques minutes. Jusque-là, on espérait encore chausser les pneus pour piste sèche, mais vous le voyez, on s'affaire dans les différentes équipes à monter les gommes adaptées aux conditions climatiques. Et cette première séance va donc se dérouler entièrement sous eh bien, la pluie qui devrait persister, mais on espère une accalmie pour eh bien, le départ de la course dimanche. En attendant, vous voyez les premières images qui nous parviennent du paddock ici à Spielberg, et voici donc ce qui se passe en piste en termes de conditions climatiques. Stoffel Vandoorne est le premier à sortir, c'est assez rare de voir l'une des voitures de tête se retrouver aussi rapidement sur la piste. Yeah, good choice, but it's a little bit dangerous with too much water on the sector 2 and on the main straight. Et Stoffel Vandoorne qui rapporte qu'il y a beaucoup d'eau dans le deuxième secteur et dans la ligne droite principale. Et vous allez le voir, eh bien, il va la prendre à ses dépens alors qu'il est en train de découvrir, de s'acclimater avec cette piste. Et le mot est bien choisi vu les conditions. Regardez, au moment de toucher les freins ici, deux roues dans l'herbe, et c'est la catastrophe. C'est le mur et une suspension cassée pour le pilote belge. On va revoir ça sous un autre angle. Petite erreur pour le pilote McLaren alors qu'il y avait encore beaucoup d'eau. Alors qu'il le disait, c'est vrai, c'était peut-être un peu risqué en intermédiaire, mais il ne faut parfois pas grand chose pour faire une bêtise. Et c'est donc sur un scooter que le Belge a timidement rejoint le paddock. Mais rassurez-vous, la McLaren sera en état pour la deuxième séance d'essai libre. C'est l'autre bolide orange qui s'est retrouvé tout en haut de la feuille des temps, avec Fernando Alonso devant la voiture de Sébastien Vettel. On retrouve derrière tous les autres pas d'événements marquants dans le classement, puisqu'on était en intermédiaire et que peu de pilotes ont pris de risques. En Q2, Vandoorne sort pour la première fois du garage et de la piste avec cette petite erreur. I just went through the gravel, tried to clean my tires as soon as possible. Et on sent Vandoorne extrêmement calme à la radio, qui essaie de se concentrer pour re-rentrer dans son week-end après une perte de temps de piste qui n'était pas si importante. Mais si la pluie vient à se joindre à l'aventure avant la fin du week-end, ça pourrait avoir son importance, puisqu'on n'a pas d'autres séances prévues dans de telles conditions. Et donc c'est parti pour Stoffel Vandoorne, qui a beaucoup à faire dans cette deuxième séance donc pour rattraper, je vous disais, le temps perdu. Et voici les résultats à l'issue du test de longévité et de gestion des pneumatiques, effectué d'ailleurs au passage en pneus super soft. On rappelle les pneus alloués pour ce week-end, ce sont les pneus ultra soft mauve, les pneus rouges les super soft, et les pneus soft donc les pneus jaunes. Il y a également les pneus intermédiaires en vert et les pneus full wet, les pneus pluie en bleu, que vous avez déjà pu entreapercevoir lors de la première séance d'essai libre de ce vendredi matin. La séance de gestion des pneus, vous le voyez, donc c'est bien déroulé pour Stoffel Vandoorne, avec des résultats plutôt concluants. Au niveau du chrono, ça ne va pas être la folie dans cette deuxième séance pour les pilotes d'Éric Bouillet, mais le but ici n'était vraiment pas d'aller chercher un chrono. C'est lors de la troisième séance qui aura lieu samedi matin que l'on va s'intéresser aux performances pures de la voiture, et ce sera bien entendu sous le sec. Si on fait un petit point ensemble sur le classement général de ce championnat, Stoffel Vandoorne est donc en tête du classement avec 146 unités contre 123 pour Fernando Alonso. La lutte est assez serrée, mais Valtteri Bottas n'est pas si loin que ça avec 100 points au compteur. Voici donc les résultats de cette deuxième séance d'essai libre, cette fois-ci donc sur le sec. 1 minute 09 pour les pilotes les plus rapides. Vous voyez que ça ne s'est pas joué à grand-chose entre Fernando Alonso et la Toro Rosso de son compatriote Carlos Sainz Jr. Derrière, vous le voyez, du côté des Renault, on a opté pour les pneus soft. On a cherché à travailler sur la longévité du côté de l'équipe française. La troisième séance d'essai libre avant la qualification ce samedi après-midi, elle se déroule de nouveau sous le soleil. L'occasion, eh bien, d'attaquer le tarmac qui a pu être désormais gommé, hein, la gomme qui a été déposée au fur et à mesure du passage des tours et des voitures sur cette piste de Spielberg, qui est très courte, hein, c'est l'une des plus courtes de la saison et l'une également et des plus rapides. On se rappelle que c'est ici, l'an dernier, à l'issue d'un finish absolument incroyable face au Mercedes, que Stoffel Vandoorne avait remporté son premier Grand Prix en Formule 1. Et c'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire du pilote belge. Pour l'heure, on ne se tracasse pas outre mesure des performances de dimanche. D'abord, place aux performances pures et dures de cette séance d'essai libre 3. Et vous le voyez, après deux tentatives dans le rouge pour avoir été gêné et avoir commis une erreur, et dernière occasion pour Stoffel Vandoorne de se hisser
sur le haut de la feuille des temps, ce qu'il va, on l'espère, parvenir à faire. Le dernier virage, attention, on est allé un petit peu au-delà de la limite, mais ça ne va pas empêcher le temps du Belge d'être validé. Voilà le passage au transpondeur et c'est terminé. Et c'est finalement un temps de 1.09.265 qui attend le pilote belge. Les derniers essais se terminent donc avec un meilleur temps pour une McLaren, mais ce n'est pas Alonso, c'est Van Dorn qui termine devant Bottas et son coéquipier espagnol. Retour dans le paddock et dans les motorhomes pour tous les pilotes à l'issue de ce samedi après-midi, l'occasion de découvrir l'objectif pour nos amis de chez... Eh bien, McLaren, la deuxième place sur la grille de départ est donc le mieux possible. L'objectif demandé par McLaren à Stoffel Vandoorne. Samedi après-midi, vous découvrez les images. Le soleil est présent et on devrait avoir une séance assez chaude cet après-midi. L'une des plus chaudes d'ailleurs depuis le début du week-end. Et ça demande, vous le voyez, à certains pilotes de réajuster les mécaniques, notamment en ce qui concerne l'ouverture des écopes de frein et de l'accès de l'air au radiateur. Vous savez que c'est toujours très 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 technique de pouvoir régler de manière optimale une voiture pour ce genre de conditions. Venez de l'entendre à la radio, on demande à Stoffel Vandoorne de sortir assez tôt puisque il y a une chance d'y avoir du monde sur cette piste dans cette première séance. On rappelle le principe des qualifications, si d'aventure c'est le premier Grand Prix de Formule 1 que vous suivez en notre compagnie, il y a trois séances, une première de 18, une seconde de 15 et une troisième de 12 pour éliminer à chaque fois 5 pilotes, alors que pour l'instant c'est Lewis Hamilton qui se met à l'abri avec des pneus super soft, pas de risque de pluie au moment du départ demain, donc pour l'instant, les pilotes devront bien passer deux types de gommes différentes au moment de s'élancer pour le Grand Prix. Et on rappelle également que c'est avec les gommes utilisées en Q2 que les 10 meilleurs pilotes qui auront accédé à la Q3 devront démarrer leur Grand Prix. J'espère que vous avez tout suivi. Pour l'heure, on est en Q1 en compagnie de Stoffel Vandoorne et de la McLaren, toute d'orange vêtue. Et c'est déjà quasiment le troisième secteur dans lequel évolue le jeune court 13e, on va voir le chrono. Pour l'instant, c'est donc Hamilton, je vous le disais, le plus rapide, battu à l'instant par Daniel Ricciardo, cette fois-ci en pneus ultra soft. Et on a vu que beaucoup de pilotes ont roulé avec les pneus super soft pour essayer peut-être de se qualifier en Q3 avec les pneus rouges et donc ainsi peut-être changer la stratégie à deux arrêts au lieu des trois prévus. On rappelle trois arrêts avec deux relais en super soft et un relais en ultra soft. Voilà donc pour les résultats de cette Q1. On découvre le classement et vous voyez que les habitués sont là, mais on a quand même Vettel qui a réussi à se qualifier en super soft. D'autres n'ont pas pris de risque aux côtés des éliminés. On notera tout de même la bonne grosse désillusion que doit avoir Kevin Magnussen, tout comme Romain Grosjean. Week-end difficile pour les Haas avec au programme deux sessions difficiles vendredi et au final c'est une des deux voitures qui sera éliminée. Les 15 meilleurs se retrouvent donc de notre côté ici en Q2 avec, on l'espère, l'accès à la Q3 de l'une ou l'autre voiture qui pourrait créer la surprise. On l'a vu avec les Manor du côté de Bakou. On espère voir ici les Haas réagir. Et la première chose que vous constatez, ce n'est pas le meilleur temps obtenu par Felipe Massa qui a réussi à se hisser lui hors dehors de la Q1, ce qui était toujours très compliqué pour les Williams depuis le début de saison. C'est bien entendu l'état du ciel. Vous le voyez, les cumulus sont là et on n'avait pas prévu ça du côté de l'organisation. On nous avait dit que la séance de qualification allait se dérouler tout simplement sur le sec avec certes des nuages, quelques degrés en moins à l'issue de la Q2, mais pas de menace de pluie. Et ici, depuis un quart d'heure, c'est un petit peu le branle-bas de combat dans les équipes. On a été chercher les pneus pour piste humides. Les intermédiaires sont prêts sur le bord des box. Ils ont remplacé les ultra soft initialement prévus pour cette deuxième séance, puisque vous savez, on ne peut pas changer les pneumatiques dans la pit lane. C'est également un point important du règlement. Et à l'issue de cette Q2, la nouvelle formalité, elle est pour Stoffel Vandoorne qui devrait, sans trop de difficultés, se hisser en Q3, mais avec des pneus super soft et non pas ultra soft. On découvre le classement. Pour l'instant, Vandoorne est le plus rapide de cette Q2. Et voici donc l'issue du classement. Vandoorne 4e, Alonso 2e, derrière la voiture de Lewis Hamilton. Attention, du côté des éliminés, on notera la Manor de Rio Arianto, évidemment, la Williams de Felipe Massa. Belle performance d'Esteban Gutiérrez qui de nouveau se hisse en Q3. Et je vous l'avais dit, donc la Haas de Romain Grosjean qui a créé la surprise alors que Magnussen s'élancera 16e. Ce sera une potentielle place dans le top 10 pour Romain. On va suivre ça à l'issue des 12 dernières minutes. On est à 1 minute 10 de l'abaissement du drapeau à damier dans cette Q3. Et c'est le tout dernier moment qu'a choisi
Et bien Stoffel Vandoorne pour s'élancer face au chrono et tenter d'aller chercher la pole position de ce Grand Prix d'Autriche, pour l'instant détenu par le pilote allemand et sa Ferrari, Sébastien Vettel, le champion du monde, qui se retrouve pour l'instant sur le haut de la feuille des temps. Le premier secteur plutôt convaincant pour Vandoorne, on est dans le mot, ce qui signifie que c'est le meilleur secteur absolu de cette séance. Le meilleur temps du Belge pour l'instant d'une 08.682, mais ça devrait, je pense, encore tomber. On a vu des pilotes tenter d'aller chercher la minute 07. Attention, il y a une voiture devant lui, c'est je crois l'une des Mercedes, sans doute Valtteri Bottas. Bottas qui a d'ailleurs fait une qualification pour l'instant assez moyenne. On va attendre la fin et 4 dixièmes de mieux. C'est un très bon deuxième secteur que nous a réalisé le pilote McLaren. Va-t-on avoir droit à une pole position belge comme ça a été le cas par le passé ici? Le dernier droit à la réaccélération avec l'ouverture du DRS, petite dérive du train arrière de la McLaren. Le verdict du chrono et c'est la pole position provisoire en 1.07.999. Premier pilote à passer sous la minute 08 ce week-end. Et bien voilà, c'est pour Stoffel Vandoorne qui rentre au box. Attention à respecter la limite dans cette pit lane. Ça rentre également pour tout le monde et je crois qu'il ne reste que Alonso et Vettel en piste pour le moment. Thanks, Jeff. For the moment, for me, it's okay. It's enough to get the pole. I'm back to the pits, but be ready for another run before the end of the session, because Fernando is pretty quick for the moment, and I think he can catch up before the end of the Q3. Alors, ce message que l'on vient d'entendre, vous le savez, il faut un petit délai avant que l'on puisse vous le proposer à l'antenne, comme chacun des messages radio d'ailleurs. Eh bien, ici, Stoffel Vandoorne nous parlait d'un deuxième run, ce qu'il a fait, et pour se protéger de Fernando Alonso. On va découvrir ensemble les 5 premières lignes de ce Grand Prix d'Autriche, avec donc Vandoorne qui a verrouillé la pole, la première depuis longtemps, ça doit lui faire du bien au moral, avec à ses côtés Fernando Alonso, Vettel et Raikkonen sur la deuxième ligne. Ça risque de barder demain au moment de l'extinction des feux. Dimanche, jour de course, nous sommes dans la forêt autrichienne, bienvenue sous le soleil et les 24 degrés qui ont surpris certains. Il a fallu mettre de la crème solaire dans la tribune devant nous, même si certains sont à l'ombre. Le soleil tape pour le moment et ça risque d'être comme ça pour la majorité du Grand Prix, puisque les dernières conditions météo nous informent éventuellement de quelques gouttes dans les derniers tours comme l'an dernier, mais on ne devrait pas avoir à passer les pneus intermédiaires ou pluie. Voici donc ce circuit de Spielberg que vous découvrez, 4,33 km, vitesse maximale de 325 km/h environ, et un record toujours détenu par Michael Schumacher, à qui on pense toujours beaucoup depuis son accident de ski. C'était déjà il y a 4 ans, ça passe malheureusement beaucoup trop vite. Les premières images de la grille avec, vous voyez, des tribunes plutôt remplies, beau succès malgré la contre-performance des Red Bull, vous le savez, hein. Les Red Bull qui sont ici 6e et 14e aujourd'hui, hein, ça n'est pas la meilleure qualification de la saison. Stoffel Vandoorne ici plutôt décontracté, hein, on le voit en train de discuter avec son ingénieur. Vous voyez Jeff sur la droite, que l'on entend souvent à la radio. Ici Sébastien Vettel également bien qualifié, les Ferrari qui peuvent faire quelque chose. Raikkonen peut également... You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. Sauver un peu sa peau, Raikkonen qui est à 65 points pour le moment et qui doit se remettre tout doucement. La grille de départ avec les deux pilotes McLaren devant les deux pilotes Ferrari. Dites donc, on se serait cru il y a de cela 15 ans. Suivent Fernando Alonso, donc deuxième. Derrière Vandoorne, les pilotes Mercedes. Sainz sur la Toro Rosso, belle 9e place de Gutiérrez. Massa quand même 11e, c'est pas mal pour la Williams qui souffre toujours. On rappelle qu'ici, il y a 2 ans, c'était la pole pour le Brésilien. On découvre le reste de la grille avec peu de surprises, si ce n'est quand même quelques déceptions du côté de chez Williams, toujours où on a du mal de mettre les deux voitures au-delà de la Q2. Le début du tour de formation de ce Grand Prix d'Autriche avec, vous le voyez, Stoffel Vandoorne qui doit se concentrer sur la mise en température de ses freins et de ses pneumatiques, le tout sans faire surchauffer le moteur. On sait que ça a été un souci à plusieurs reprises cette saison, puisqu'on a eu du mal à faire monter la température correctement. Elle a souvent été trop chaude pour lui. Alors que, attention, Alonso qui est passé devant Vandoorne. Je ne sais pas s'il en a l'autorisation, le pilote espagnol.
hein. Je ne sais pas, alors il faudrait se plonger dans la réglementation, mais je ne sais pas si on peut dépasser en tour de formation. Ce sera à vérifier. Et si on jette un œil donc sur la composition de cette grille de départ, on notera donc la belle 6ème place de Max Verstappen, le néerlandais, alors que son équipier, je vous l'ai dit, Ricardo, partira 14e. On est au pays de Red Bull ici avec eh bien, le Taureau qui surprend de la piste. Vous l'avez vu dans la présentation de ce Grand Prix d'Autriche. La pole pour Van Dorn, ça lui fait du bien. Ça fait longtemps qu'il n'a plus été vraiment en pole de manière aussi autoritaire face à Alonso. Donc il peut vraiment ici faire un nouveau gap hein, après les déboires du pilote espagnol à Bakou. Hein. C'était le premier à craquer cette saison. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera Van Dorn de craquer? On ne lui souhaite pas. Mais tout est possible. Esteban Gutiérrez 9e, encore une bonne performance pour les Manors, même si elles ont un peu rétrogradé, un circuit moins rapide hein, qui favorise moins le bloc Mercedes de la petite voiture britannique. 10e place pour Romain Grosjean, la seule à savoir réussir à quitter la Q1 et la Q2. Et enfin, la déception c'est pour Daniil Kvyat qui de nouveau était à son affaire en essai libre et qui se retrouve un petit peu plus loin, 15e. Donc sur cette grille, les pilotes reviennent pour trouver l'emplacement qui leur est dédié. Van Dorn sera sur la droite de votre écran. Et Alonso du mauvais côté de la piste, la partie qui n'est pas gommée, donc on devrait s'attendre à un meilleur départ du pilote des Asturies. Everything is okay on board for the start. Everything okay on board for the start. Message de confirmation que tout se passe bien à bord de la McLaren de Van Dorn. On espère que ça va bien se passer au niveau du départ. Les lumières qui s'allument dans quelques instants, le départ du Grand Prix d'Autriche, et c'est parti avec Van Dorn qui patine un bon envol de Sébastien Vettel qui sur l'extérieur va peut-être pouvoir prendre les deux McLaren à revers. Attention au freinage, et Van Dorn qui est poussé dehors. La sortie pour le pilote belge, les deux McLaren sont out, 5-6 voitures arrêtées. Dans le premier droit, on va certainement avoir droit à une voiture de sécurité. Ici, ça n'est pas possible autrement. What is he thinking? He just pushed me off the track. It's crazy. This man is just a maniac. Et c'est une déclaration de guerre du pilote espagnol à son équipier. Il a voulu jouer, il a perdu. Les deux voitures se sont retrouvées dans le mur. Catastrophe pour McLaren. Ça, c'est pas ce qu'il fallait faire du tout. Alors, la faute à qui? On va certainement revoir cet accident. Mais pour le moment, on est sous régime de voiture de sécurité ici à Spielberg. Et on a un Stoffel Van Dorn 18e, Alonso qui doit être aux alentours de la 15-16e place. On est prêt chez McLaren. Of course, Jeff, I need to change my front wing. It's gone. And I have a puncture on the left front, I think. A slow puncture on the rear left. You need to check the car because everything looks broken. It's insane, absolutely insane. I cannot understand the move from Fernando. It's insane, really. Et je crois qu'on est en train d'assister au tournant de cette saison 2017 avec les deux McLaren qui se sont donc quasiment auto-éliminés. On est prêt, Eric Bouillet est fou furieux sur le muret devant nous. Il a traversé la piste en courant, il est du côté des mécaniciens, je ne sais même pas si c'est autorisé. On va donc avoir un retour des deux pilotes McLaren, je pense, ce tour-ci. On voit mal Van Dorn continuer, il a décrit peut-être une crevaison à l'avant-droit. Il faut un nouveau museau sur les deux voitures. Et investigation logique entre les deux pilotes qui sont donc impliqués dans une collision. La direction de course va se pencher sur ce fait. Regardez les dégâts. Alors, est-ce que les deux McLaren vont continuer? Est-ce que les deux McLaren vont être en état de continuer? Ce seront de toute façon en dernière position. Et Alonso qui va faire attendre Van Dorn. Évidemment, on ne peut pas servir les deux pilotes en même temps. On change le museau. On regarde un petit peu. On est un peu incrédule hein. Chez McLaren, c'est vraiment un très mauvais coup de pub alors qu'on est en tête du championnat. Alonso est reparti au tour maintenant de Van Dorn. Les autres pilotes n'ont pas sans doute souffert. On s'est simplement arrêté à temps derrière. Mais quelle catastrophe en tout cas. La guerre est déclarée chez McLaren. Et c'est certainement... Alors est-ce que Van Dorn a freiné plus tôt à cause de Vettel à l'extérieur? Est-ce qu'Alonso a freiné trop tard? Difficile à estimer de notre cabine. Faudrait revoir les images. Je l'espère qu'on les reverra. En tout cas, dans ce deuxième tour, on est sous voiture de sécurité. Et la remontée s'annonce difficile. Ok Jeff, I'm very upset. I need a full update on the race right now. Alors qu'on fait un petit point à la radio pour Stoffel Van Dorn. So you know what now, Jeff? Just tell this message to Eric. When the race will be resumed and under green flag, I forget any team rules and I'll kick his ass before the checkered flag, okay? This is unacceptable, okay? Safety car in this lap. Safety car in this lap. Ouh, et bien voilà, le message est clair. Van Dorn attend que la voiture de sécurité s'efface, ce qui sera d'ailleurs le cas à l'issue de ce tour de compétition, on vous l'informe d'ailleurs dans le bas de votre écran, pour aller
on va dire, botter les fesses, pour traduire ça poliment, à Fernando Alonso. C'est parti, retour sous régime de drapeau vert ici dans le quatrième tour de ce Grand Prix d'Autriche. Et on repart avec au commandement l'une des Mercedes devant les Ferrari. Parce que Vettel a sans doute dû laisser passer l'une des Mercedes. Donc pour l'instant, le tour le plus rapide est à mettre au compte de Stoffel Vandoorne. Et c'est parti hein, pour les McLaren qui vont donc en tenaille, j'imagine, se chasser. Mais désormais à travers le peloton. Le premier à en être victime, ce sera, attention, Pascal Wehrlein sur la Sauber. Et la BMW Sauber qui s'est écartée. Regardez, Alonso et Vandoorne, ils sont là. Vandoorne qui va aller attaquer Alonso. Oh, la deuxième épingle. Oh, il y a du monde. Ouais, attention, eh, il est touché, Pascal Wehrlein, évidemment, par Vandoorne. Ouais, difficile de se faire un chemin quand on est énervé. Et ça peut virer au drame entre les deux. Attention, Vandoorne qui se décale à gauche. Oh là là, il n'y a pas la place. Oh, ils doivent être, oh, ça doit bouillir. J'aimerais pas avoir toutes les conversations radio à vous diffuser à l'antenne en direct, parce que là, ça s'annonce comme être explosif. Mais est-ce que c'est la fin de la bonne entente? Peut-être. En tout cas, le clash est là. Nico Hülkenberg, l'allemand, sur la Renault, qui se fait totalement déposer avec ses pneus soft. Et Vandoorne qui ne va pas lâcher Alonso. Hein. Ça, ils vont rester, à mon avis, ensemble pendant quelques tours dans ce Grand Prix. Et ils vont remonter quelques positions. C'est déjà aux alentours de la 18e place. C'est le Français Esteban Ocon qui, là, va devoir céder, je pense, d'ici quelques secondes, sa position. Vandoorne très très large sur l'AstroTurf, alors que certains pilotes optent pour un arrêt au box, évidemment. La stratégie à 3 arrêts qui a été retenue par certains, pardon, malgré la voiture de sécurité. Petit blocage de roue pour Stoffel Vandoorne à l'entame de ce 6e tour. Il y en a encore 30 à faire et quelque chose me dit qu'on est loin de la fin de ce Grand Prix d'Autriche. Drapeau jaune, ah, une voiture en tête à queue, c'est Marcus Ericsson. Attention, parce qu'on ne peut pas dépasser. Et la Renault de Julian Palmer qui est bloquée. Et on perd du temps, évidemment. Va-t-on avoir droit à une voiture de sécurité virtuelle? Et c'est reparti pour la Sauber qui s'est mise sur le bord de piste. Mais il y a dû y avoir contact. On va revoir ça. Voilà déjà le replay. Oh là là, il y avait du monde. Il y avait une Manor, il y avait une Red Bull, il y avait Sergio Perez. Ah, c'est Rio Arianto. Et ouais, et Marcus Ericsson qui pense créer une quatrième ligne. Mais il n'y a pas la place, tout simplement. Mais heureusement, ça peut repartir pour Marcus Ericsson. Mais derrière, il a laissé un brouhaha incroyable. On va revoir ça peut-être d'une autre vue. Depuis l'arceau de la Haas du Danois Kevin Magnussen, qui était bien loin pourtant de tout cela. Il attaquait la deuxième Toro Rosso, celle de Daniil Kvyat. Et voilà le contact. Et Magnussen se retrouve avec une piste bloquée. Heureusement, on a rapidement retrouvé la première du côté du pilote Sauber. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que, oh là là, attention, parce que Palmer va seulement se faire attaquer par Vandoorne. Il avait bloqué ses roues, Julian Palmer. Et le DRS qui est désormais disponible pour l'ensemble du peloton. On notera tout de même que pas mal ont opté pour un arrêt au box. Donc, les McLaren n'ont pas perdu tant que ça. Ils sont désormais 10 et 11. Hein. Ils sont proches et déjà dans les points. Alors effectivement, on n'a pas revu l'accident du départ. Oh, et on a regardé cette information. Une pluie faible est attendue dans les 20 minutes, alors qu'on est actuellement en 1:11.182. Le pilote le plus rapide en piste, c'est Stoffel Vandoorne. 8e tour de compétition, la jonction est faite avec Alonso. Le DRS pour les deux voitures orange. Devant, ça bouge beaucoup également entre Magnussen et, je crois, la deuxième Toro Rosso. Difficile de voir. Regardez Alonso sur les freins, qui est en train d'aller chercher véritablement Magnussen et empêcher de se protéger, empêcher de passer Stoffel Vandoorne. Alors qu'on informe que les super soft sont préparés pour le prochain arrêt, qu'on en est équipé un peu autour de lui. Tout le monde est sur les mêmes gommes là, autour de Vandoorne et d'Alonso. Drapeau jaune. Et oui, il y a une Sauber qui est arrêtée, c'est Pascal Wehrlein, je crois, qui vient de casser son moteur, ou en tout cas un problème mécanique. On a une Sauber qui est arrêtée, je crois, au poste numéro 18, à vérifier. Alors que dans la ligne droite, on va tenter quelque chose. Alonso qui crée la deuxième ligne, Vandoorne de la troisième, il va peut-être prendre les deux. Au freinage, il bloque ses roues. Now come on Jeff, this is ridiculous, you are teammates. Eh oui, Alonso qui ne va plus travailler pour Vandoorne et vice-versa, c'est terminé. Do something, you're the responsible of this situation now. Oh là là, et ça barre, attention, parce qu'il y a Valtteri Bottas avec la Mercedes qui également a été loin. Il se touche avec Bottas. Ah, ils se sont touchés. Et le drapeau jaune qui intervient au moment où Stoffel Vandoorne et ses petits camarades
passe à la hauteur de la Sauber en perdition, qui est arrêtée en bord de piste, mais qui n'est pas considérée comme ayant abandonné pour le moment. Peut-être un problème, un reset électronique à faire. Ça va passer, Magnussen est éliminé, Van Dorn qui est toujours à la chasse d'Alonso, qui reste devant, mais ces deux-là sont maintenant dans les points. Vous voyez que ça glisse avec les super soft. Eh bien, il s'en passe des choses en piste dans ce Grand Prix d'Autriche. Beaucoup de bagarres dans le milieu du peloton et dans le top 10. Oh, attention, Van Dorn qui part au large. Oh, et ça doit bouillir véritablement dans les casques. Là, il y a beaucoup de tension. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais ce Grand Prix est particulièrement tendu entre les pilotes. Et Van Dorn qui est beaucoup moins propre que la fois précédente. Voiture arrêtée au poste numéro 18. Il est temps, c'est celle sans doute de Pascal Wehrlein. Voilà. Alors que l'on revoit les soucis du pilote allemand. Ouais, c'est sans doute une casse mécanique. On va voir ça depuis la voiture de... Ouais, Carlos Sainz. Voilà, ça c'est un moteur, hein, je peux vous le dire. Le moteur de la Sauber qui rend l'âme. De nouveau. Allez, on va revoir ça de nouveau depuis la vue télévisée cette fois avec Pascal Wehrlein donc pris dans un panache de fumée. Voilà, hein, difficile de comprendre autre chose. Voilà, véritablement, ça a été... assez apocalyptique. Retour au direct avec les deux McLaren qui continuent de s'expliquer. Et ils continuent de creuser dans le peloton. Ça remonte. L'attaque peut-être de la Toro Rosso. I just touched Fernando. It's a nightmare out there. Il y a eu contact entre Alonso et Van Dorn et ça permet à Bottas de passer. Il y a du monde, c'est très très chaud. Ils sont 5 à l'entame du deuxième secteur. Honestly, Jeff. How can it be more ridiculous than this? We are 4 wide on each corner. This is ridiculous. Et Van Dorn qui arrive à se débarrasser d'Alonso avec l'aide de la Sauber de Marcus Ericsson qui était un petit peu perdu là au milieu de la piste. Et regardez l'état de la McLaren, 4 pneus dans le jaune et un aileron avant endommagé. Vous l'avez vu à la sortie du premier droit, Van Dorn qui est allé toucher Alonso. Alors est-ce qu'il y a crevaison du côté de la McLaren? On va garder ça à l'œil. Derrière, c'est Gutiérrez qui va maintenant s'emparer de la 8ème place au détriment du champion du monde espagnol. Van Dorn qui a fait le plus dur, il est devant Alonso, hein. Au général, il va falloir décompter les points. 15 minutes désormais avant de la pluie fine. Pour l'instant, c'est grand soleil ici au-dessus de notre cabine et sur le reste du circuit. On va voir si Van Dorn va se débarrasser de la Sauber dans la ligne droite principale. Attention au dévantage, hein, le train avant qui est soumis à beaucoup de perturbations dans ces conditions. Raikkonen qui vient de mettre un coup de massue au record du tour en 1.10. Et Marcus Ericsson qui résiste. Il a raison, il fait sa course, le pilote suédois, et c'est fait maintenant. Je le disais donc, 1 minute 10, 870 environ pour Raikkonen, le record du tour pour la Ferrari, qui est pour l'instant la voiture la plus rapide en piste avec celle de Sébastien Vettel. On va devoir assister rapidement au pilote au box. Stratèges qui ont opté pour deux arrêts vont devoir rappeler leur pilote rapidement. Voilà, enfin, eh bien, il aura fallu 10 tours pour voir le replay du départ. Et je pense que la FOM a mis du temps à nous montrer les images parce qu'elles ont peut-être dû être choisies. Voilà, on voit ce qui se passe depuis la voiture d'Alonso. Ouf, ouais, Alonso qui pousse. Ouais, Alonso qui pousserait Van Dorn. Mais est-ce que Van Dorn n'a pas freiné un peu plus tôt avec Vettel qui passait à l'extérieur? Difficile à estimer tout cela. Depuis la voiture de... Oh, attention, depuis la voiture de Max Verstappen, ça a été chaud, hein. Allez, l'accident depuis le bolide de Kimi Raikkonen qui partait en deuxième ligne, qui a pris un très mauvais départ, hein, Raikkonen. Il a été attaqué à droite par Verstappen et à gauche par la voiture de Lewis Hamilton. Et regardez ce contact terrible qui vient toucher les armes. Quoi. Alors, beaucoup de chance déjà de pouvoir continuer. Pas de suspension cassée, mais surtout un arceau réparé, hein. Au niveau de la structure de l'aileron avant, le museau n'a pas cassé, la crashbox a fait son office et la McLaren a bizarrement extrêmement bien résisté. Alors concernant l'investigation, on n'a pas de nouvelles, on a toujours ça comme dernière information concernant l'incident. Voilà, retour au direct dans le 12e tour de course ici. On est quasiment au stade de la mi-course pour tout le monde. Oh, et Fernando Alonso qui abandonne.
Voiture de sécurité virtuelle, une occasion peut-être, voilà, de rentrer au box pour la voiture de Van Dorn. C'est fait, bien joué. Eh bien, Fernando Alonso qui a peut-être subi des dommages après la collision. En tout cas, c'est au poste numéro 25, je crois, aux environs du deuxième secteur qui est arrêté la McLaren. Et c'est un coup de massue terrible sur la tête de l'Espagnol dans sa lutte pour le titre mondial. Deuxième changement de capot en deux arrêts pour Van Dorn. Catastrophique cette course au niveau également de l'équipe McLaren. On a monté des pneus softs. On va essayer peut-être d'aller au bout s'il ne pleut pas. 23 boucles sur les 36. On est passé par le cap de la mi-course. Bientôt la fin de ce Grand Prix d'Autriche. Mais beaucoup de choses se jouent en piste et dans les box. Et on revoit l'abandon de Van Dorn avec de Alonso avec sa casse moteur. Ah ouais, un sacré cafouillage hein, chez McLaren. Alors on n'avait pas vu une équipe aussi froide, aussi structurée, aussi propre depuis le début de saison. Eh bien, retomber dans ces vieux démons, on se serait cru l'année dernière avec des erreurs de stratégie, une mauvaise gestion, au départ peut-être des pilotes mal préparés. Regardez, voilà, le panache de fumée pour la voiture d'Alonso, qui a dû surprendre d'ailleurs Massa. On va voir peut-être une vue des voitures, il y avait une Haas, voilà, c'est... Alors, ça n'est pas Kevin Magnussen, c'est bien Romain Grosjean. Et voilà, un peu plus tard, Felipe Massa. Ah oui, oh, Felipe Massa qui passe véritablement, lui, dans le panache de fumée, ça a été... très très serré pour le pilote brésilien. 13e boucle, on repart sous régime de drapeau vert ici à Spielberg avec donc toujours la tête de course pour eh bien, la Ferrari de Kimi Raikkonen devant Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Pour l'instant les Ferrari qui font le travail. Daniel Ricciardo est 4e en embuscade, peut-être en attendant son heure. De tours avant l'abaissement du drapeau à damier dans ce Grand Prix d'Autriche. Et on est bien loin d'avoir tout vu, je pense. Van Dorn qui récupère quelques positions. Il était derrière le Britannique Julian Palmer et sa Renault qui a dû ravitailler. Vous le savez, Van Dorn qui est allé un petit peu plus tôt au box, hein, profitant de la Virtual Safety Car. Et donc, il est retombé dans le classement 14e. Voilà Palmer devant lui. On voit également Esteban Ocon sur la Force India. Seconds. 4 secondes 6 d'avance sur Magnussen en super soft qui n'a pas encore opté pour un arrêt au box. 15e place pour Magnussen, c'est à peu près là où il était parti. 16e tout à l'heure et ça passe, regardez, sans trop de difficultés hein, pour Van Dorn. Un châssis et un moteur bien plus qualitatif que la Renault. C'est triste mais c'est la réalité. 10 minutes avant de la pluie, alors sincèrement... je ne sais pas sur quelle météo se base la direction de course, en tout cas où elle prend ses références. Attention ici, Esteban Ocon qui va se faire avaler aussi. Et voilà, Esteban Ocon, hop hop hop, ça a été chaud mais Van Dorn est passé. 12e place pour le Belge qui va rentrer je pense dans le top 10 à l'issue de ce 17e tour de course. Puisque voilà, on a 5, 6 voitures au box, 4 exactement. On a Hamilton qui était à l'arrêt parmi les hommes de tête qui repart derrière Van Dorn. Sainz 7e, n'a pas besoin les deux ravitailler pour le moment. Donc oui, je le disais, la météo qui pour l'instant nous annonce de la pluie dans 10 minutes. Alors ça risque de venir de manière très soudaine parce que pour le moment, on n'est pas très convaincu par les informations officielles de la FIA. Et regardez, on annonce 5 minutes officiellement, 10 minutes et on est encore à 15 minutes du côté de la météo de McLaren. En tout cas, c'est ce qu'on dit à Van Dorn, un quart d'heure avant la pluie, ce qui me paraît un peu plus logique, si vous voulez mon avis. Alors évidemment, en tant que Belge, difficile d'avoir une expertise météo de qualité, hein, on se fait souvent avoir dans notre plat pays, mais en Autriche, ça peut aussi venir très très vite, hein, les changements de météo. Van Dorn en train de peut-être réfléchir. L'écart qui continue de grandir avec Ocon.
less than a second. Let's try and get past in the DRS zone. Van Dorn qui n'a pas pris de risque pour dépasser Carlos Sainz. Pour le gain de la sixième place, il va y aller maintenant, peut-être sur la gauche. Oui, il aime bien attaquer à l'extérieur dans ce secteur-ci avec la McLaren. Forcer le pilote à l'intérieur à freiner un peu plus tôt. Est-ce que ça peut être concluant? Ça bloque les roues, attention pour Van Dorn. Et Sainz qui résiste, évidemment. Mais c'est bien la McLaren du Belge qui aura le DRS dans ce 20e tour de course. Bien joué. Et avec l'abandon de Fernando Alonso, c'est très important pour Van Dorn de marquer des points. Parce que c'est pas tous les jours qu'on aura une telle différence entre les deux pilotes, puisque habituellement ils terminent tous les deux dans les points, même si à Bakou, on l'a vu, la troisième place de Van Dorn était un petit peu un miracle, avec Van Dorn troisième et Alonso sixième, c'était le premier faux pas, on va l'appeler ainsi, de l'équipe McLaren depuis eh bien, le début triomphant de cette saison 2017. Ils sont nombreux à vouloir tenter de glaner la victoire. Bottas avec ses 100 points pourrait aujourd'hui, s'il l'emporte, eh bien repasser deuxième au général, puisqu'il n'a que 23 unités de retard sur Fernando Alonso. Bref, le classement peut avoir une toute autre physionomie à l'issue de cette course, pardon, alors qu'on vole au secours voilà, de Stoffel Vandoorne, avec une annonce désormais de 10 minutes avant la tombée des premières gouttes de pluie. Pour le moment, eh bien, on ne se retrouve pas dans les bonnes conditions du côté de Van Dorn. Parce que s'il y a de la pluie, on a une piste qui va changer, qui va devenir grasse. Et si la voiture a souffert en aéro, alors on n'a pas vu trop de stigmates du contact avec Alonso. On a changé le museau qui a été la partie qui a la plus souffert. Quelques ailettes ont volé du côté du ponton gauche, puisque c'est là que son équipier est allé le percuter. Mais outre mesure, la McLaren est en bon état. Attention, on est à la sortie des box avec Daniel Ricciardo. Et Daniel Ricciardo qui ressort derrière Stoffel Vandoorne. Pour l'instant, il est au pied du podium, le court 13e. Alors, il est au pied du podium, mais avec des pneus un peu plus usés que les voitures qui gravitent autour de lui. Ricciardo est reparti en super soft, ce qui ne va pas non plus aider le pilote belge à résister. Quant à Verstappen devant avec ses pneus soft, eh bien, il est sur la même stratégie que Vandoorne, avec des pneus chaussés un petit peu plus tard. On confirme que c'est donc Raikkonen qui est en tête devant Max Verstappen. Sergio Perez est troisième, mais le Mexicain est actuellement dans la voie des box pour chausser sa dernière gomme. Ce sera les pneus super soft. Et regardez, Stoffel Vandoorne qui laisse passer. Alors ça, c'est surprenant comme image. Stoffel Vandoorne qui laisse passer sans se défendre. Et Daniel Ricciardo, alors il vient de lâcher un podium tout de même. Alors la différence de points, c'est 15 points au lieu de 18 à ce moment-ci de la course, mais c'est important. Et maintenant qu'il est passé, on constate que eh bien, Daniel Ricciardo a le même rythme que Van Dorn, qui part un petit peu au large d'ailleurs. Peut-être que les pneus sont dans une phase un peu moins compétitive. Van Dorn qui s'ouvre énormément. 28e tour de ce Grand Prix d'Autriche, et vous le constatez, on commence à croire les dires de la radio et de Jeff, l'ingénieur de Van Dorn, puisque les nuages viennent s'accumuler tout doucement, mais sûrement, sur ce circuit de Spielberg. Are you sure, Jeff? 5 minutes? Only 5 minutes before the rain? Alors on retrouve Stoffel Vandoorne qui s'est un petit peu calmé hein, à la radio. You have P3, Ricciardo ahead, gap to car in front is 1.8 seconds. They're on old super softs. The gap behind us is 3.1 seconds. They're on fresh super softs. The pit window is open. Beaucoup d'informations dans ces derniers tours, les 9 précisément. Rio Arianto est pour l'instant 4e à la régulière. Il a observé ses deux arrêts au box, le pilote indonésien. La Manor est donc encore une fois en train de faire un joli coup. On notera l'arrêt de Verstappen, ce qui a propulsé de nouveau Van Dorn sur le podium, puisqu'avec Ricciardo qui l'a laissé passer tout à l'heure, il n'a pas matière à lutter. On a dit du côté de Van Dorn 5 minutes. Est-ce que vous êtes sûr 5 minutes avant la pluie? On n'était pas convaincu du côté du pilote belge, même si, regardez, ça commence à devenir de plus en plus gris. Hein. Au fur et à mesure des tours. Alors qu'on a une sortie en piste juste devant Van Dorn de la Force India, pardon, du français Esteban Ocon qui se retrouve de nouveau proche du top 10.
Alors qu'on ne veut plus parler de météo à Van Dorn à la radio. Attention, parce qu'il ne doit pas perdre trop de temps. Et c'est à l'extérieur qu'il va se débarrasser d'une Force India en pneu. En pneu super soft. La direction de course nous annonce officiellement désormais de la pluie dans 5 minutes. Alors ça a l'air d'être un peu plus en concordance avec ce qu'on avait eu à la radio de Van Dorn. Maintenant, à voir si la pluie sera assez intense, déjà si elle arrive avant le 36e tour de course. On va entamer le 30e maintenant. Va-t-on avoir droit à des coups de pluie suffisantes pour monter les pneus intermédiaires? C'est ce qui s'était passé l'an dernier, ce qui avait permis à Van Dorn de revenir sur Hamilton et de l'emporter. I see the first raindrops on my visor. First raindrops on my visor. Et Stoffel Van Dorn qui rapporte de la pluie sur sa visière. Alors on prépare un arrêt au box à la fin de ce 31e tour, peut-être avec des intermédiaires. Est-ce qu'on va se préparer à toute éventualité du côté du pilote belge? Effectivement, voilà, c'est pour monter des intermédiaires que l'on sort du côté de chez McLaren. On voit les premières gouttes d'eau ruisseler du côté du cockpit du pilote belge également. Également une information concernant la pluie. Voilà, des gouttes sont rapportées par certains pilotes à la radio dans le troisième secteur. On va y arriver dans ce troisième secteur. Alors je me penche un peu dans ma cabine, je constate qu'il n'y a pas de pluie pour l'instant sur les vitres devant nous. Ça ne tombe pas, ça y est, oui, il y a quelques gouttes qui tombent devant nous ici, devant les box, mais pas de quoi crier au scandale. Pour l'instant, on ne montera pas d'intermédiaire sur ces voitures. Six tours pour Van Dorn et des pneus à l'agonie, quasiment 50% d'usure sur le train arrière. Et s'il se met à pleuvoir, eh bien ça risque d'être un petit peu plus funky, si vous me passez l'expression. Alors que voilà, ça y est, il pleut maintenant devant nous. Et la pluie qui arrive, mais c'est de manière assez succincte que les gouttes tombent pour l'instant. Pas d'intermédiaire pour l'instant pour Van Dorn. Et de la pluie désormais dans le secteur 1, bah voilà. C'est ça y est, maintenant il pleut devant nous, mais je vous dis, ça n'est pas suffisant pour monter des intermédiaires avec le passage de 20 voitures sur cette piste de Spielberg. Il n'y aura pas de pneus intermédiaires montés pour le moment. Attention tout de même à ne pas forcer. Attention Van Dorn qui est allé au-delà des limites de la piste dans le premier droit. Ça commence à s'intensifier, on ne voit pas encore de gerbe d'eau sortir de l'arrière de ces Formule 1. Alors qu'on dit avant donc que Massa est au ralenti, effectivement elle a tourné 2 secondes moins vite au tour précédent, mais ça peut être dû à une petite erreur que l'on reverra peut-être. En tout cas pour le moment, il va rester 2 boucles et je crois que l'on va aller au terme de ce Grand Prix d'Autriche sans monter les pneus intermédiaires, parce qu'il n'y a pas plus de pluie que ça. Le classement actuel, Raikkonen en tête, rendez-vous compte si la Scuderia remporte ce Grand Prix. Raikkonen était parti quand même 4e sur la grille de départ, ça peut être une belle opportunité, 3e pardon. Vettel était lui 4e. I don't see any difference for the moment, but I let you know if I see something on the engine. Et si pour l'instant Raikkonen remporte ce Grand Prix, ça le montrait à 95 points en général. Il pourrait récupérer éventuellement une 5e place selon ce que va faire Vettel et Hamilton. On fera le décompte et on entre dans l'avant-dernière boucle et on attend une pluie forte dans 10 minutes. Ah mais je crois que dans 10 minutes on aura largement terminé le quota nécessaire pour faire 2 tours en 1 minute 10. Même si on a drastiquement baissé au niveau des chronos. Maintenant on est en 1-11, 1-12 pour les meilleurs. Et 1-10-947 le record de Stoffel Van Dorn. Mais le meilleur tour en piste est pour l'instant en 1-10-870. Et il est pour Kimi Raikkonen, peut-être potentiel vainqueur de ce Grand Prix. Okay, Jeff, it's really slippery out there, but I think we can finish the race on the dry tires now. Et ça glisse, c'est ce que rapporte Van Dorn, mais est-ce que ça ira au bout? Pour l'instant, ça suffit. Regardez devant, on a droit à Ricciardo qui est au ralenti, le pilote de la Red Bull avec ses pneus super soft, peut-être en bout de course. Va-t-on avoir droit à un switch entre les deux pilotes? Il faut rester attentif à l'écart entre les deux. Van Dorn qui est à l'attaque plus que jamais. Oh, le sous-virage, attention! Parce qu'en dehors de la trajectoire, il y a bien plus d'eau que sur la partie idéale de cette piste de Spielberg. Dernier tour, il arrive. Voilà, nous sommes officiellement dans le dernier tour pour Kimi Raikkonen, qui va sans doute s'imposer ici avec la Ferrari. De quoi rebooster le compteur du pilote finlandais Hamilton. 88 points, va sûrement souffrir encore aujourd'hui.
Et on a une potentielle quatrième place pour Rio Arianto sur la Manor. Ça va encore faire très très mal pour la petite structure britannique qui continue d'impressionner. Dernière boucle pour le top 5. Ils sont tous passés maintenant devant nous. Et ça va aller à moins que vraiment maintenant une cataracte arrive sur le circuit. Ça va le faire pour Kimi Raikkonen qui va s'imposer. Attention, Van Dorn qui sort, il y a beaucoup d'eau. Freinage complètement loupé. Escarianto va peut-être récupérer un podium. Il est juste derrière l'Indonésien. Retour en piste de Van Dorn à quelques secondes. Il doit y avoir 2, peut-être 3 secondes d'avance maintenant. Attention, si une McLaren sort, ça veut dire que tout le monde risque de sortir de la piste. La piste d'ailleurs qui est déclarée officiellement mouillée par la direction de course à l'instant. Ce qui veut dire qu'on n'est plus obligé de passer les deux conditions de pneus. La règle est caduque, Raikkonen qui arrive. Raikkonen dans les deux derniers virages, ça va être la victoire pour le Finlandais. Et on a ralenti aussi du côté d'Arianto, où il y a beaucoup d'eau dans le premier secteur, les pilotes qui sont au ralenti. Raikkonen s'impose, victoire d'une Ferrari ici en Autriche. Deuxième place pour Daniel Ricciardo, il arrive, il sort du dernier droit, voilà. Van Dorn qui se loupe dans le dernier virage, est-ce que Arianto va pouvoir combler l'écart? Arianto qui est à 5 secondes, une Force India qui repasse, elle était dédoublée. Et grosse frayeur dans le dernier droit pour Van Dorn, mais ça passe, ce sera un podium pour le pilote de la McLaren. Yeah, Jeff, that was an inesperate result. Third on, on this race. I can't find the words. Thank you for the car, but we really need to talk about the strategy and with Fernando because it's a ridiculous and dangerous situation. Et bien voilà, la lourdeur et la difficulté pour trouver les mots pour Van Dorn malgré le podium. Bon, il a de sourire quand même sur le podium. On va essayer de sauver la face. Et un qui, pour l'instant, bon, va être satisfait de son résultat. Eh bien, c'est Kimi Raikkonen qui soulève le trophée du vainqueur ici, alors qu'on a dû allumer les lumières sur le podium tellement il fait sombre ici. Et la douche de champagne après l'eau, c'est toujours plus sympathique que la pluie. Et bien voilà, on va faire les comptes et il y aura matière à calculer à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche qui aura fait des victimes, l'abandon de Fernando Alonso notamment, qui aura été l'un des tournants de ce Grand Prix et l'accident au premier virage. Le classement final de ce Grand Prix, vous le voyez donc avec Lewis Hamilton qui ne termine que 7ème. Sainz parvient tout de même à se hisser au 9ème rang. Il partait loin, hein, Carlos Sainz. Et bien voilà pour le classement. 10ème place pour Sébastien Vettel qui va donc marquer un point. Ce qui lui fait donc désormais un total de 93 points. Raikkonen en aura donc 95. Donc belle percée au championnat. On va voir ça d'ici quelques instants au niveau du bas de tableau. On retrouve les Renault évidemment et l'abandon pour Alonso et Pascal Wehrlein de Casse Moteur pour ces deux pilotes aujourd'hui. Le classement général avec donc Van Dorn, la remontée de Kimi Raikkonen qui cumule donc 90 points et 93 pour Vettel. Et bien ça remonte, ça se rapproche, mais maintenant avec 161 points, Van Dorn est désormais l'homme de tête de ce championnat 2017. Un point rapide sur le classement constructeur et on va se laisser. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Autriche qui n'était pas comme les autres. On se donne rendez-vous très vite pour le Grand Prix d'Angleterre sur la piste de Silverstone où il y aura beaucoup de matière à débriefer entre les pilotes McLaren. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. Si ce Grand Prix vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la prochaine. Merci à toutes et à tous. D'ici là, bon amusement en piste. Salut.